Haute standing. Bon, qui n'est haut standing que des noms, vous allez le voir, parce que la sablière obéit au même critère anarchique que les quartiers populaires de Libreville. Comment qui ont emprisonné les poteaux électriques? Allons faire le constat barrière, ensemble, voilà. Et se poser la question de savoir, va-t-on aussi casser à la sablière? D'abord, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chef de quartier là-bas, non? Ils ont un maire, c'est le maire du premier arrondissement. Bon, allez, là, quand on rentre par la sablière du côté de l'aéroport, il y a ce virage-là qui est très accidentel. À chaque fois. Voilà. Ouh. Soit vous heurtez le mur. Les murs sont à moins de 5 mètres. Et régulièrement, il y a des accidents à ce niveau. Oui. Alors, le premier fait, c'est que les poteaux flirtent avec les murs. S'ils ne flirtent pas, ils sont carrément à l'intérieur des murs. Bon, vous allez le voir devant. Et... il y a les containers, il n'y a pas de protection pour signalisation aussi. Il y a ces cages de commerçants. Ben oui, bon là pour le cas là, les commerçants, vous allez voir que la sablière aussi, c'est le lieu par excellence. Des épiciers comme nous. Du commerce informel. Mais le poteau et la barrière, comme on dit communément, et le trottoir. Bon, il y a confusion totale. Y a-t-il des trottoirs là-bas? Là, tenez. Bon, là, un poteau électrique. Bon, à l'intérieur, le téléphone. Le téléphone. Le téléphone. Mais même si c'est le poteau de téléphone. Bon, c'est la même chose. Non, c'est poteau électrique. C'est le téléphone, j'ai vu. C'est le téléphone. Mmh. Mais bon, il était dans la barrière. Mais justement, parlant de poteau, puisqu'on est en train de casser, que va-t-on faire après? Est-ce que justement les fils de courant et de téléphone qu'on voit traîner ici et là, ça, je sais vont pas. Être en c'est pas ma question, je travaille pas là ici. je crois qu'ils seront déplacés. Bon, alors, voici le poteau électrique et le lampadaire, le réverbère et tout, dans la barrière. D'une institution ou d'une haute personnalité. Un domicile privé. N'habite pas la sablière. Là aussi, combat, pourquoi a-t-on laissé faire? Bon, si nous, on a que l'on ignore la loi. Ce sont les barons du régime et ils se sont dit en construisant que la loi, c'est moi. Non, c'est pas forcément les barons du régime. Pourquoi? Que ce soit dans la faut dire, c'est des gens bien nantis.